Kribi est une ville balnéaire et un port de la région du sud du Cameroun, située à environ 160 km de Douala. Elle est connue pour ses plages de sable blanc. Au sud, Grand Batanga est une plage recevant de puissantes vagues de l'océan Atlantique. Les chutes de la Lobé, situées à proximité, plongent directement dans l'océan. La cathédrale de Kribi est l'une des plus anciennes du pays. Elle domine la vue sur l'Atlantique, le port de pêche et le pont qui enjambe le fleuve Kinké. Historiquement, elle servait également de phare. La marina de plaisance se trouve à l'embouchure du fleuve Kinké, proche du phare de Kribi érigé en 1906. Il est encore utilisé de nos jours. Nous sommes à bord du bateau Bluebird qui a pris la mer depuis Kribi. D'autres bateaux sont partis à l'aube de Douala. Ils convergeront tous à la marina de Kribi en fin de journée. Il ne reste plus que la tête du poisson. Un prédateur, probablement un requin, a arraché le corps. Nous assistons à la prise d'un marlin bleu qui sera tagué, c'est-à-dire marqué d'une plaque d'identification, puis relâché. L'action est photographiée ou filmée pour apporter une preuve de la prise qui comptera alors pour le classement. La relâche devient de plus en plus une norme dans la pêche sportive afin de préserver les espèces. En fin de journée, avec la marée haute, les bateaux rentrent à la marina de Kribi. Tournez la maison, attention. Ça coupe rien. Il faut une note, ça. T'envoies les photos, hein, là, la meilleure photo du chalon. T'es pas dans le... Non, attends, Fred, t'en fais la rate de la peau. Le prochain, c'est sur le prochain. C'est... Non, mais j'ai... Bon, normalement, tous les bateaux ont un truc comme ça à bord, non?
On ne peut pas trouver une meilleure qualité? Il faudrait une bonne pince, monseigneur, quoi. Ouais. Parce que normalement, ça coupe bien, mais ça là, elle coupe rien. Demande à un autre bateau s'il y a autre chose. Demande à un autre bateau. On va le mettre en rouge. Vous avez fait une reloche? Ouais. Plusieurs? Une. Une. Alors, un marlin. Un marlin, 180 kg à peu près. Mmh. Pas mal, 180 livres, tagué. Ok. Alors. Ouais, c'est sympa, ouais. T'as pris des petites choses? Moi, j'ai rien fait. Rien? Même pas une relâche, là? Non, on a perdu un marlin, c'est tout. Par contre, on avait un beau combat marlin, mais on a perdu. Alors, j'en profite pour vous dire que les tags ont été offerts par la société Fly Zone des États-Unis. Ils ne sont pas arrivés hier, mais ils sont arrivés aujourd'hui. Et donc, ces tags vous sont remis à titre gracieux. Et on vous demande donc de bien vouloir remplir les fiches au moment où vous taguez et nous les remettre par la suite pour qu'on puisse les envoyer. Merci à Fly Zone. On fera une photo tout à l'heure avec les skippers. Alors maintenant, j'appelle un équipage particulier. Un équipage 100% camerounais. Sous vos applaudissements, équipage Batanga, skippé par M. Robert Lapoule. Je vous rappelle que nos amis Batanga ici sont détenteurs du trophée Thon du dernier challenge. Et aujourd'hui, pour la première fois, sous vos applaudissements, ils ont pêché leur premier selfish. Alors, comme c'était leur premier selfish, ils n'ont pas voulu relâcher. Hein, ils se sont dit qu'ils seraient bien avec eux. Et donc, même si ce selfish ne fait pas la maille, puisque théoriquement, la maille est à 35 kg, votre poisson faisait 28 kg. Mais bon, on vous félicite quand même parce que c'était quand même une belle performance. Bravo. Alors, on a un blessé de guerre avec nous aujourd'hui. C'est le plus costaud et finalement, ça a été le plus vulnérable aujourd'hui sur le bateau. Il a pris un hameçon dans le mollet. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Fredo va nous dire en quelques mots qu'est-ce qui a pu se passer pour que notre ami puisse prendre un hameçon dans le mollet. Je vous dirais, c'est un hameçon qui lui est resté dans le mollet pendant toute la journée. Ils ont mis un scotch autour du mollet et ils ont retiré l'hameçon ici à la marina. Bravo en tout cas pour ton courage. Merci encore. Bonsoir les amis. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir les autorités. Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Je félicite tout le monde. D'abord, et en particulier, notre ami Olivier qui a bien voulu accepter de s'occuper de remettre le challenge en route après 2 années de dormition au bois dormant. On a dormi, on s'est endormi. Et grâce à Olivier, on s'est réveillé, on revient, même avec peu de bateaux. C'est pas un problème. Le problème, la continuité. Alors, le dernier bateau n'aura pas tiré le numéro, et bien sûr, je les appelle, c'est mon équipage, équipage Pongara, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et en plus, c'est mon numéro, j'ai la chance. Magnifique. Alors, c'est le mien aussi, c'est parfait. Voilà, merci Stéphane, tiens, tu vas prendre le numéro. Alors oui, je voudrais quand même que vous puissiez applaudir parce qu'on a quand même un marin qui vient du Ghana qui a pris le chemin de la Côte d'Ivoire pour nous accompagner. C'est sa deuxième participation, ou même sa troisième participation au challenge. Alex, bravo, on t'applaudit. Merci d'être venu aussi.
headlights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memory. Une fois tagué, on retire l'hameçon et on relâche le poisson. Yeah. Michel Job sur le bateau Bluebird prend une petite coryphène de 5,6 kg. Petite, mais elle s'avérera être la plus grosse du concours. On the screen at last, they ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights. Le bateau Pongara ramène à terre un beau marlin bleu, mort au bateau et déclaré comme tel. Il ne sera donc pas pris en compte dans le classement. Pourquoi l'avoir déclaré mort? Tout simplement parce que l'équipage était persuadé que le marlin pèse moins de 230 kg, poids minimum en dessous duquel il donnerait des points négatifs. Bon, Olivier, ton estimation? Moi, mon estimation, 220 kilos. 220. Je pense, Fredo, ton estimation? Sincèrement, entre 210 et 220 kilos. Ah, 210, 220. Philippe? Ouais. Toutes les 5 minutes, il augmente de 10 kilos, donc c'est bon. Bientôt, il va faire 220. Moi, je dirais plutôt 210. Ouais, mais il va le faire, il est là. Stéphane, combien il dit? Stéphane, ton estimation? 220. 220. 200 pour Jojo, je prends les paris, hein. Et c'est fini. Michel, 210-220. 210-220. 145. 240. Non. Pesé par simple curiosité, le marlin bleu affiche 253,6 kg sur la balance. Cela aurait suffi pour hisser le bateau Pongara en tête du classement. Le calcul des classements qui prenait autrefois beaucoup de temps a été totalement automatisé par CameroonPlus.com et se fait maintenant en temps réel. C'est un peu mouillé. Il n'a pas de rosse, hein, tu as vu? Marlin sans rosse. Ok, quelqu'un le... il faut quelqu'un avec des gants pour le décrocher, les gars.
gars, mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît, là. Ouais. Bruno Lelin. Ouais. Jacques, tu poses ici et tu rentres. Vas-y, rentre. Voilà, c'est bon, enlève. C'est bon, tu as pris la photo. C'est vidéo. Il doit faire quoi, 20 kilos? Allez, prends la photo, prends la photo. Prends. Regarde, et... prends une photo comme ça. Les gars, c'est pas souvent que j'arrive à ça. Superbe, prends la voile. C'est assez rare, hein. Bravo Bruno. C'est bon les gars? Ouais, c'est bon. Je le relâche. Allez mon gars. Le dernier jour, les spectateurs ont dû faire preuve de patience. Les plus grands bateaux devaient attendre la marée haute pour rentrer à la marina de Kribi. Les derniers sont entrés après 19h. Que tu vérifies la vidéo de notre relâche. De votre relâche, oui. Parce que je peux pas faire l'arbitre. Ouais, qui l'a? C'est toi qui l'a? Ouais. C'est bon, tu as bien la même chemise, donc la vidéo est d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Regarde, ouais. Tu vas voir, tu vas voir quand je se trouve dans les détails, n'est-ce pas, Mathias? Ah, il est gros, hein. T'as vu la tête qu'il a? C'est un beau poisson. Ouais. Bon, un petit peu de protocole, même si on n'est pas là pour faire du protocole. Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun. Ouais. Mesdames, messieurs, les pêcheurs et les pêcheuses. Chers amis. Alors oui, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés pour le challenge. Cette année, eh ben voilà, ça y est, c'est reparti et j'espère que ce sera, il y aura une longue continuité encore. Je vous rappelle que c'est le 32e challenge que nous organisons au Cameroun avec cette année 8 bateaux qui ont participé et plus de 40 pêcheurs sur l'eau avec beaucoup de poissons qui ont été pêchés. Depuis que le challenge existe, on a une tradition, c'est de remettre l'intégralité des poissons qui sont pêchés pendant ce challenge à des œuvres caritatives ou même la prison de la ville de Kribi. Et cette année justement, ben c'est la prison qui a été choisie et un orphelinat qui d'ailleurs nous a envoyé plein de photos du poisson qui a été pêché hier. Je ne sais pas, Lionel, tu m'as montré tout à l'heure un dessin. Normalement la responsable de l'orphelinat devrait être là, mais elle n'est pas là. Ben, les enfants nous ont fait un dessin avec plein de poissons. Dessus, voilà, c'est ça le poisson, on va l'afficher, le mettre au club. On est vraiment très contents de pouvoir améliorer leur quotidien grâce à ces poissons-là. Alors, contest poisson. Alors, le contest poisson,
c'est la récompense des poissons les plus gros pêchés par espèce de poisson. Et on va démarrer avec la coryphène. La coryphène ou la dorade coryphène, le mahi mahi. Un poisson, le poisson qui a été pêché, donc la coryphène la plus grosse qui a été pêchée est de 5,6 kg. C'est une petite coryphène. Et c'est Michel Job qui l'a pêché. Et c'est une tradition de remettre ce plateau d'argent. D'ailleurs, le club de Douala, le CPSD, fait partie du Big Game Club de France. Et je voudrais vraiment déjà encourager ceux qui vont organiser la prochaine compétition qu'on va découvrir tout à l'heure, je crois, et leur dire que la pêche manquait déjà à beaucoup d'entre nous, la compétition aussi, et je me réjouis d'avoir fait mon tout premier selfish depuis plus de 20 ans que je pêche. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? Équipage champion, équipage qui a gagné ce challenge à de nombreuses reprises. Fils de grands pêcheurs. Je suis sûr que le fils aussi va continuer à pêcher. C'est un équipage toujours sympa, l'équipage qui met l'ambiance. La meilleure radio d'ailleurs du challenge qui communique d'un bout à l'autre du jardin, tout le monde l'entend. Il est toujours sympa. J'appelle l'équipage sous vos applaudissements, l'équipage champion, l'équipage Palais.